Parce que Dieu va accomplir un plan pour toi, mais il y a des vies qui doivent être sauvées aussi au travers de toi. Et donc tu deviens un ennemi de Dieu. Parce que tu veux rester attaché aux choses de ton âme. Je l'aime. Tu l'aimes où? Tu l'aimes où? On va beaucoup parler de l'amour, de ces choses-là pendant ces 3 jours. Tu vas voir. Parce que beaucoup, quand on parle de l'âme, souvent les problèmes, c'est des problèmes émotionnels. C'est des problèmes d'amourette, là. Yeah, beaucoup. Beaucoup, les problèmes. Oh. Vous n'avez pas remarqué que les problèmes qui nous font le plus mal, c'est les problèmes d'amour? Il m'a plaqué, il m'a largué. Il a décidé de casser avec moi. Tout ça, toutes ces choses-là. S'il y a bien une chose qui déchire l'âme des femmes et des hommes, c'est en pire encore quand ils sont mariés. Ça fait mal. Les problèmes de cœur, on appelle ça comme ça. C'est pour ça que les problèmes de cœur passionnent autant. Satan, pourquoi il encourage ses enfants à toujours faire de la musique où on parle des choses de l'amour et du sexe? Parce qu'il sait que ces choses-là, les hommes aiment ça. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi les gens, quand vous allumez la télévision, quand vous mettez les chaînes de musique, ils ne parlent que de sexe? Ils ne peuvent pas parler d'autre chose. Pourquoi ils ne parlent que de sexe? Parce que Satan sait que ces choses-là, c'est ce qui attire les hommes. L'âme aime le sexe et l'amour. L'âme aime ça. Et Satan sait que ça, c'est un piège pour l'âme. Alléluia. Je suis né de nouveau. Et quand je nais de nouveau, regarde ce que la Bible dit dans Romains 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La version parole vivante dit, évidemment, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Ah, il est dur, hein? Il est très dur, hein? Alors que nous qui sommes en Christ, nous vivons sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hein? Mais si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il lui appartient. Mais si son âme n'est pas restaurée, cette personne est en grand danger. Je continue. Si tu es avec moi, fais comme ça. L'âme non restaurée, c'est le premier ennemi de Dieu. L'âme non restaurée, c'est l'ennemi de ta destinée. L'âme non restaurée, c'est une porte d'entrée pour un mauvais esprit. Et tu vas comprendre pourquoi on y arrive. L'âme non restaurée n'est pas guérie des blessures du passé. L'âme non restaurée a besoin de délivrance. L'âme non restaurée est le premier obstacle à la vie de Dieu chez un citoyen du royaume. Car on peut naître de nouveau. Mais quand l'âme n'est pas restaurée, elle empêche à la vie de Dieu de couler. Ainsi, on peut être en Christ et être malade. On peut être en Christ et être frustré. On peut être en Christ et être opprimé. Alléluia. Hein? Ainsi, quand l'homme donne sa vie à Jésus-Christ, les choses sont censées refonctionner normalement. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean 7, 38 que celui qui croise en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Hein? Et son âme doit être restaurée. Alléluia. Mais lorsque l'âme n'est pas restaurée, elle peut devenir un ennemi potentiel de Dieu. Vous avez compris ce que je voulais vous dire là? Amen. Pourquoi l'âme doit être restaurée? Et j'atterris ici. L'âme doit être puissamment restaurée. Pourquoi? Parce que tout au long de notre vie, lorsque nous grandissons, nous expérimentons toutes sortes d'événements et de situations qui viennent ouvrir des portes à notre être spirituel. Ce sont comme des semences qui sont jetées, des semences qui sont plantées en nous. Et même si on donne notre vie à Jésus-Christ et que notre esprit renaît, eh bien ces semences qui ont été plantées dans notre cœur, il fut un temps, si on ne prend pas le temps de les déraciner, de les identifier et de les déraciner, elles vont produire des choses en nous.
Si nous commençons ce séminaire aujourd'hui, avant d'entamer le séminaire sur le mariage qui va avoir lieu le mois prochain, tu vas mieux comprendre pourquoi quelqu'un peut, deux personnes peuvent se marier et bousiller complètement leur mariage au bout de 3-4 ans. Comment ça se fait? Deux personnes qui s'aimaient éperdument se retrouvent à s'entretuer à la fin. C'est pour cela que quelqu'un dont l'âme n'est pas restaurée, qui décide d'entrer en mariage, c'est une bombe à retardement. Yeah. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes entrent en mariage alors qu'avant d'entrer en mariage, ils ont besoin de délivrance. On devrait instaurer ça dans l'église. Séance de délivrance avant tout mariage. Oh! Pasteur, nous voulons nous marier. Vous voulez vous marier? Ok, inscrivez-les sur la liste de délivrance. Parce qu'il y a des démons cachés là qu'il faut déloger. Oh, t'as tu blague. Tous les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus doivent passer par une délivrance. C'est vrai. Il y en a, vous êtes assis dans l'église, vous n'avez jamais été délivré. Vous pensez que vous êtes normaux. Vous êtes équilibré. Vous pensez que tout va bien. Passe par la délivrance. Tu vas voir. Tu penses que celui qui est là assis, quand la parole de Dieu commence à devenir puissante, et puis il voit... Est-ce qu'il s'y attendait? Non. Quand tu commences à titiller un démon qui commence à se manifester dans la vie de la personne, parfois c'est même pas le démon, parfois c'est l'âme qui réagit. Hein? L'âme non restaurée est une porte ouverte à l'ennemi. C'est pour cela que quand on vient à Christ ou quand on entend l'évangile autrement, il est important d'identifier les semences cachées ou encore les autels cachés qu'on a cachés où? Dans l'âme. Qui sont les gens qui viennent bâtir des autels dans notre âme? C'est facile de parler de Satan puisqu'on ne le voit pas. Mais Satan passe par qui pour planter ses mauvaises graines dans l'âme des hommes et des femmes? Il y a des gens que Dieu met dans nos vies qui portent le nom de parents, amis, des gens que Dieu utilise, des gens qui ont un droit ou encore une autorité sur nous. Et ces gens viennent par toutes sortes de stratagèmes, de manière consciente ou inconsciente, de manière volontaire ou involontaire, viennent semer des choses en nous. Et ces choses, lorsqu'elles sont semées en nous, lorsqu'elles s'affermissent en nous, elles deviennent des autels ou encore des portes d'entrée. Rappelle-toi, CF2.séminaire sur la guerre des autels, je t'invite à aller écouter. Qu'un autel est une porte d'accès pour que ce qui est dans l'esprit entre dans le naturel et ce qui est dans le naturel entre dans l'esprit. Alléluia. Hein? Et il y a beaucoup de choses qui viennent s'enraciner en nous qui sont des autels dans nos âmes. Ces graines qui sont plantées en nous sont comme des racines qui sont cachées en nous. La plupart des gens se fient à l'arbre qui est au-dessus, qui a de très belles feuilles, qui peut paraître agréable au regard, mais beaucoup en dessous, les racines sont mauvaises et sont devenues des autels. Des semences de toutes sortes en nous deviennent des portes d'entrée. Ces semences deviennent en nous des racines, souvent qui sont des racines du mal-être. Hein? Beaucoup de gens souffrent de mal-être parce qu'en eux, ils ont des mauvaises racines qui ont été plantées. Quelles sont ces racines? Des racines telles que le rejet. Dis avec moi le rejet. Le rejet est une puissante porte d'entrée pour que Jézabel entre.
la dépression, l'amertume, la haine, le manque de pardon, la colère, le stress, les addictions de toutes sortes, la peur, la tristesse, le découragement, l'intimidation, l'envie, les frustrations de toutes sortes, l'impatience, la soif de pouvoir, le manque de confiance en soi-même, les ressentiments. Tu sais, c'est quoi les ressentiments? Les ressentiments, c'est les sentiments qu'on refoule. Hein? La rancune est un ressentiment. Hein? Quelqu'un m'a fait quelque chose, je lui en veux et je garde ça en moi. Et ça devient un piège pour moi-même par lequel Satan va passer pour détruire mon prochain. Hein? Les convoitises de toutes sortes. Il faut apprendre à identifier ces choses-là. Car ces choses-là sont des portes d'entrée par lesquelles l'ennemi passe pour détruire. Malheureusement, dans le corps de Christ, beaucoup vivent dans leur marche avec Christ, avec ces choses-là en eux. Hein? Et il faut savoir faire un travail sur soi-même. Il y en a, par exemple, qui vivent avec une peur permanente. Il y en a qui sont là, je sais, vous avez peur, par exemple, d'échouer. Il y en a qui ont peur de souffrir. Il y en a qui ont peur de finir pauvre. Il y en a qui ont peur de ne pas pouvoir construire leur maison. Il y en a qui ont peur de leurs parents. Il y en a qui ont peur de leur femme. Il y en a... Mais sérieux, il y a des gens qui ont peur de leur conjoint. Il y en a, vous, il y a des femmes, quand elles rentrent à la maison, elles vivent dans un environnement de peur. Parce que le mari les terrorise. Oui. Alors qu'on leur a annoncé que le mariage était quelque chose de bon et d'agréable, elles vivent dans la terreur. Il y a des maisons, les enfants sont en train de jouer, etc., au salon. Mais dès que papa rentre à la maison, tout le monde s'en va. Parce que c'est un terroriste. Il terrorise les gens. Alléluia. Il y en a qui vivent et qui n'arrivent pas à contrôler leur convoitise. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Oui. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Le manque de confiance en soi se manifeste souvent par des choses telles que par toutes sortes de complexes d'infériorité, par le manque de considération de soi-même. Même comment quelqu'un s'habille, ça peut te dire s'il a confiance en lui ou pas. Oui, oui. Alors c'est les deux extrêmes, hein. Quelqu'un qui n'a vraiment pas confiance en lui-même, soit il s'habille bien, soit il s'habille pas bien, soit il s'habille très bien, soit il s'habille très mal. Quand tu vois une femme ou un homme qui s'habille vraiment très mal, soit cette personne a eu une éducation où on ne lui a pas appris à bien s'habiller, soit c'est quelqu'un qui a un problème. Yeah. Tu vois des femmes, par exemple, qui sont très coquettes, très jolies, mais dès qu'elles commencent à souffrir dans son âme, elles commencent à négliger sa personne, sa manière de s'habiller. Elle ne s'habille plus comme avant. Elle ne brille plus. Elle n'est plus pimpante. Alléluia. Même chez les hommes. Bon, les hommes souvent s'habillent très mal. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'habillent bien. Alléluia. Moi, j'ai dû apprendre à bien m'habiller. Ma femme m'a beaucoup aidé. Oh, sérieux. Ma femme, elle a fait preuve de beaucoup de miséricorde envers moi. Parce que je m'habillais vraiment très mal. Je mettais des costumes en XXL. Les épaulettes des costumes tombaient ici. Je faisais pas la différence entre un baggy jean et puis un pantalon de costume. Je mettais des pantalons très gros. Mes costumes en bas, il y avait des 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis au-dessus des chaussures. Criss-cross. Avec les costumes. Ma femme, elle avait vraiment pitié de moi. Elle me disait, tu dois bien t'habiller, mon mari.
Mais aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur a fait. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia, allez chante, est-ce que vous pouvez monter? Hein? Toutes ces choses, hein, beaucoup vivent avec. Il y en a qui vivent, qui, bien qu'ils soient en Christ, n'arrivent pas à se délivrer de certaines addictions. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, par exemple, qui sont en Christ, il a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ, mais il n'arrive pas à arrêter la cigarette. Yeah. Il y a des gens qui sont en Christ que j'ai rencontrés qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Moi, j'ai assisté à des séances de délivrance de la cigarette. Ouais. Tu vois comment le prophète dit, le prophète lui dit, avance la fin de cet événement, tu vas être délivré de la cigarette. Va là-bas, pendant que je vais prêcher, Dieu te délivre. Et tu le vois, il est là-bas. Au nom de Jésus. Il n'arrive pas à se délivrer. Vraiment, c'est impressionnant. Yeah. Il y en a qui sont addicts de la pornographie, qui sont en Christ, mais qui n'arrivent pas à se délivrer de la pornographie. Beaucoup sont en Christ, assis dans l'église, sont addicts de la masturbation. Ils cachent ça. Ils n'arrivent pas à arrêter. L'âme. Dites-moi l'âme. Yeah. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre ces choses. Parce que ces choses qui sont pourtant cachées peuvent nous créer de gros problèmes. Les racines cachées sont des hôtels établis par l'ennemi dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui n'est pas restauré dans son âme laisse une grande porte ouverte à Satan pour venir le détruire. Les racines ou encore les blessures du passé peuvent aussi servir de lampe de lancement hein, à l'ennemi pour oppresser notre âme et notre corps. Les blessures et les douleurs du passé sont des piliers stratégiques pour positionner un état de siège dans la vie d'un citoyen du royaume. Quand on dit état de siège, quelqu'un peut être, au travers de la dépression, être en état de siège. C'est pour ça que David dit « Retire mon âme de la détresse ». Parce que quand quelqu'un est dans la détresse, il est comme piégé. Quelqu'un, regarde, par exemple, la Bible nous montre l'exemple de Josué. Josué, le grand Josué guerrier. Le jour où Moïse est mort, livre de Josué chapitre 1, ça s'ouvre avec quoi? Josué était effrayé. Il ne pouvait plus bouger. Tu connais le genre de peur qui te tétanise complètement et tu ne peux plus bouger? Yeah. Et toutes ces choses-là qui sont en nous, eh bien, sont des choses qui peuvent venir nous paralyser. Dis moi l'âme. Les racines de l'âme non restaurées donnent un accès à l'ennemi, un accès privilégié. Identifier ces racines du mal-être pour les soigner est le meilleur moyen de fermer l'accès à l'ennemi. La guérison de l'âme est indispensable pour marcher dans la victoire et l'ennemi établit des hôtels dans la vie des gens très tôt, dans leur enfance le plus souvent, afin de mieux les contrôler à l'âge adulte en semant des herbes amères dans leur âme. C'est ce que j'ai appelé la stratégie de l'oppression par Jézabel. Jézabel est cet agent du diable qui, lorsqu'il vient, il vient pour une seule chose. Il vient pour, au travers des semences qu'il a plantées, il vient pour prendre le contrôle de notre vie. Jézabel est identifiée dans la Bible comme la femme de Akab. Hein? Cette femme avait un esprit de contrôle très très fort. Très fort. Et cette femme exerçait son pouvoir au travers de son mari, Akab. C'était le roi. Dites-moi, il était le roi. Le roi est celui qui donne accès à toutes les richesses du royaume. Ainsi, Jézabel utilisait sa relation avec son mari pour pouvoir accéder à toutes les richesses du royaume et oppresser le peuple. Ainsi, que ce soit au travers d'une personne tierce qui a un contrôle sur toi, ou bien par toi-même, qui est toi-même ton propre roi, eh bien Jézabel peut entrer. Et Jézabel peut utiliser ton autorisation ou celle de quelqu'un d'autre pour venir oppresser les richesses qui sont cachées dans ton âme. Alléluia. Dites-moi Jézabel. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 20 que
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire. Dis avec moi, enseigner et séduire. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. C'est sur enseigner et séduire que je veux attirer ton attention. Toute personne qui a une autorité sur ta vie pour t'enseigner des choses, Jézabel va utiliser ça pour te séduire. Jézabel va utiliser ça pour prendre le contrôle. Toute personne qui peut avoir un contrôle sur ta vie, Jézabel peut utiliser cette personne. Le diable peut utiliser cette stratégie au travers de cette personne pour entrer et te détruire de l'intérieur. C'est pour cela que, et ça on va le voir je crois samedi, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que tu permets d'entrer en toi, au travers des gens. Fais très attention. Alléluia. Toute personne qui exerce un contrôle sur toi, toute personne qui a un droit de regard ou un droit de te dire quelque chose, ou bien toute personne à qui tu laisses le droit de te dire ou de t'enseigner des choses, et que ces enseignements entrent par les oreilles, par les yeux, peu importe, dès le moment où tu permets que ces enseignements viennent se loger en toi, Jézabel entre par là. Beaucoup d'enfants sont détruits comme ça. Beaucoup. Alléluia. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ça, si tu ne prends pas le temps d'identifier ça, la restauration ne peut pas avoir lieu. La restauration, elle commence quand tu as pris le temps d'abord d'identifier les racines, d'identifier Jézabel, d'identifier au travers de qui Jézabel passe. Quand tu as identifié au travers de qui Jézabel passe ou est passé pour pouvoir semer ces choses-là dans ta vie, il est important que tu commences à faire le ménage et que tu commences maintenant à refuser ou encore à fermer l'accès à ces personnes-là. Fermer l'accès à certains enseignements, fermer l'accès à certaines paroles, fermer l'accès à certaines musiques, fermer l'accès à certaines émissions. Quand tu t'assois devant une chaîne de télévision tous les jours et que tu permets à une personne de t'enseigner, cette personne exerce un contrôle sur toi. Quand tu es dans la voiture tous les matins et que tu écoutes une émission radio, cette personne exerce un contrôle sur toi. On appelle ces gens les leaders d'opinion. Alléluia. Quand tu vas chez un parent et que ce parent, quand tu t'assois toujours dans son salon et tu laisses ce parent te parler, cette personne est en train de planter des graines ou encore d'établir des hôtels en toi. Par exemple, quand on parle de mariage, il y en a, ils sont pourtant mariés depuis des années, mais ils continuent toujours d'aller s'asseoir dans le salon de sa maman ou de son papa et puis ils laissent qu'on lui dise des choses. Viens d'abord, assieds-toi. Est-ce que tu sais que ton mariage, ta maison, tes enfants, ton travail, etc. Et puis il est là. Oui, oui, comme un zombie. Oui, oui, oui. Et puis il retourne à la maison, programmé, lavage de cerveau vient d'être fait. Puis dès qu'il rentre à la maison, je t'avais dit non, je t'avais dit. Pourtant, quand il est en train de parler, là, ce n'est pas lui qui parle. C'est son père ou sa mère qui est en train de parler à la personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de couples, c'est ça. Mais je ne te reconnais pas. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que derrière, Jézabel a fait un travail. Quand Akab parlait devant Israël, c'était Jézabel qui parlait. Alléluia. Et l'ennemi travaille beaucoup comme ça, au travers de l'âme. Mais dès le moment où tu as identifié cela, et que tu décides de fermer les accès et de restaurer ton âme, alors là, le processus divin peut commencer à prendre place. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Nous sommes au mois de mai 2018. Voilà pourquoi il est important que tu fasses ce choix de commencer à faire ce travail personnel de restaurer ton âme. Commence à faire un travail en toi. Je t'expliquerai au fur et à mesure que nous allons progresser comment est-ce qu'on fait ce travail. Je t'expliquerai au fur et à mesure comment est-ce qu'on peut faire son auto-délivrance.
Car même tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans le bureau d'un pasteur pour qu'on te délivre. Il y en a, vous pouvez faire votre propre délivrance en faisant un travail sur vous-même. Beaucoup ont vécu des choses tellement fortes que ça les suit jusqu'à aujourd'hui. Ils doivent faire un travail sur eux-mêmes. Il y a des choses que tu dois arrêter de dire. Il y a des choses que tu dois arrêter d'écouter ou d'entendre. Il y a des personnes que tu dois arrêter de fréquenter. Ce serait plus facile de chasser un démon ou bien de briser l'oppression d'un démon si tu commençais déjà à laisser certaines personnes. Car à quoi ça sert de faire un travail et chaque fois qu'on commence un travail, dès que tu es sorti, tu retournes avec t'asseoir avec les mêmes personnes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein? David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Commence à accepter que Dieu restaure ton âme. Commence à l'accepter. Laisse à Dieu la place. Beaucoup, votre croissance spirituelle, votre maturité spirituelle est bloquée parce que vous ne laissez pas Dieu commencer à faire un travail en vous. Laissez à Dieu le soin de faire un travail en vous. Est-ce qu'on peut élever nos voix maintenant? Les bras socorabahane. Calibras et yamane. Maleka mahane le bousat. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Elle nous fait du bien, Père. Ta parole, elle vient comme un baume au cœur, Seigneur. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous avons commencé doucement avec toi. Pour une seule raison, Père, nous avons soif de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, qu'il y a des choses que l'on n'avait pas compris. Il y a des choses que l'on a laissées en nous se produire, Seigneur. Mais nous te prions, Père, au nom de Jésus. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire le ménage. Aide-nous à faire un travail. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup dans ton église, beaucoup dans ta maison doivent être délivrés de toutes sortes d'addictions, délivrés des peurs, délivrés de l'orgueil, délivrés, Seigneur, du manque de confiance en soi-même, délivrés des complexes d'infériorité. Délivré, Seigneur, de la colère, délivré de la honte, délivré du rejet, délivré de toutes sortes de ressentiments. Père, fais un travail dans les cœurs de tes enfants, car il y a un travail que tu dois accomplir dans ton église, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te soumettons, nous nous soumettons à toi, Seigneur. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.